Parce que c'est un président patriote, un président qui œuvre pour l'alternance dans la sous-région ouest-africaine. On arrive à beaucoup contester dans l'opinion publique aujourd'hui. Non, vous avez vu le monde quand même. Donc nous saluons vraiment son arrivée ici. Il sera accueilli. Il vient d'atterrir au tarmac de l'aéroport international de Bessia. Nous l'attendons ici et il sera accueilli jusqu'au palais Mohamed V. Vous êtes venu de l'UFDG, ce n'est pas votre habitude de venir accueillir des présidents ici. Pourquoi pour Oumarou Ambalo? Non, Oumarou Ambalo, c'est parce que vraiment, ce qu'il est en train d'œuvrer, il œuvre pour qu'il y ait une alternance, pour qu'on respecte les constitutions de l'Afrique. Parce qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait une limitation de mandat en Afrique. Et encore, lorsque il a pris proposition. Embalo, 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 emb
nous sommes les jeunes de l'As, on n'est pas là pour la politique. On est là pour soutenir Mbalo Sissoko Mbalo. Parce que c'est un homme de parole, c'est un homme qui a beaucoup souffert pour l'équipe, pour les Guinéens. Parce que on a dit, c'est que c'est un homme qui a parlé, il a dit qu'il ne peut pas troisième mandat. Aujourd'hui, on va le montrer, il est avec le peuple guinéen. On va l'accueillir jusqu'à son retour. On est là. Mbalo, 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 c'est Mabori, ça, Mabori, Mabori, jeune de l'Axe. D'accord, merci. Moi, je vais nommer un ballon. Donc aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison, parce qu'Alpha a forcé pour faire le troisième mandat. Mais finalement, il y a eu le 5 septembre 2021. Donc vraiment, nous saluons vraiment sa présence. J'ai modifié la constitution guinéenne, il a osé, il a parlé, il a invité les leaders africains de s'imposer et de dire « Monsieur Alpha Condé la vérité ». Donc ce n'est pas la Guinée seulement, y compris Mali, y compris les autres pays. Donc tout récemment, j'avais entendu M. Mbalo dire que si nous soutenons ou nous laissons le troisième mandat continuer en Afrique, cela veut dire que nous encourageons les coups d'État. Donc c'est un homme digne qu'on doit soutenir. Donc nous sommes là pour cette fierté. Vive Mbalo, vive le colonel Doumbouya. Je vous remercie. Merci, monsieur. De la démocratie, de la vérité. Merci beaucoup. J'ai appris, non? Je me nomme Mahmoud Diakité. Bientôt, on finit bientôt. Je me nomme Mahmoud Diakité. Voilà, aujourd'hui, vous êtes venu pour accueillir le président Mbalo. Oui, c'est parce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur.